Yo, yo, bonjour tout le monde les amis, rebonjour. Alors oui, d'ailleurs je voulais vous expliquer un truc, parce que dans mes VOD YouTube on me dit tout le temps, putain mais t'arrives tout le temps en retard dans tes streams et tout. Non non, c'est juste que je suis en régie, et du coup comme je fais la régie et le truc, du coup faut que je me lève, parce que la régie est à 5 mecs de moi. Donc je cours, hein, au contraire. Donc voilà, donc rebonjour, alors on est parti pour une petite game avec Lord Faker qui va jouer donc Katarina Middle Lane. Ce sera très intéressant. On n'a pas les premières minutes de game, malheureusement. On a commenté une game juste avant et cette game, en gros, on peut pas forcément reculer dans toutes ces minutes. Mais c'est pas très grave, il y a que 2-3. La game n'est pas du tout jouée. Là, malheureusement pour lui, Fury, je pense qu'il ne s'en sortira pas. Nunu Bolt, hein, Nunu qui va spammer les boulettes. On va essayer de récupérer du côté Irelia. Il va l'avoir d'ailleurs. Et non, ça va être Katarina qui va l'avoir, je pense. Et donc, non, il va le prendre. Parfait, de toute façon, je pense que c'est pas sûr qu'il l'avait. Donc, je suis pas sûr que Faker, le Lord Faker l'avait. Et donc, super. Alors, on est parti du coup. On a Victor. Victor qui est sur la middle lane. Victor, c'est pas dégueu comme perso, honnêtement. C'est pas un personnage d'OB. C'est pas très top tier. En ce moment, les top tiers sont plutôt. Enfin, les top tiers, il y en a plein en middle lane, mais. Quand je dis top tier, c'est les personnages qui ont des gros win rate. Alors je sais, quand je dis gros win rate, je parle gros win rate avec un pic suffisamment important. Parce qu'évidemment, il y en a qui vont souvent, il y a des gens qui me disent ouais, Urgot il a 70% de win rate si je prends en platine sur machin. Mais oui, du coup, c'est 20. En gros, sur un grand nombre de games, parce que sur. Si vous avez genre une statistique sur 10 games, sur l'ensemble des games du monde entier, bah c'est vraiment très peu quoi. Ok, alors du coup, on va voir en tout cas Faker. Faker middle lane contre justement Easy Hoon avec un Victor. J'ai hâte de voir comment Victor va gérer une Katarina, puisque son interrupt qu'il a, donc c'est son Z, n'est pas instantané, donc ne va pas être facilement utilisable. On n'a pas de Blitzcrank, Katarina qui est très vulnérable à Blitzcrank. Blitzcrank en plus qui est numéro 1 des supports en ce moment, donc le meilleur pick en solo queue en support. Donc n'hésitez pas à en abuser, hein. Ça, du moins jusqu'à. Enfin, au moment où je dis ça, Blitzcrank n'a pas encore été nerfé. Donc peut-être que quand je posterai la vidéo, Blitzcrank aura pris un nerf de ouf et on me dira mais non, ça pue. Et oui, c'est possible, mais en tout cas, au moment où je fais la vidéo, on est le 10 mars là, il n'a pas été nerfé. Donc du coup, il est tout à fait largement, très largement viable. Ok, on va récupérer. Enfin, il est même très, très, très top tier. Depuis le nerf en plus de Janna qui était en gros à son ancienne position. Maintenant, on a Janna qui a pris quand même pas mal de nerfs d'affilée. Qui est également bien au-dessus des autres, hein, Janna. Ok, donc là on a une Kalista un petit peu, on a un petit Nulu qui est vraiment un très 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 bon personnage pour counter jungle, etc. Après moi je suis pas un grand fan parce que mécaniquement Nulu c'est quand même extrêmement faible. Il n'y a pas, entre un très bon joueur de Nulu et un bon joueur de Nulu, il n'y a pas de différence de mécanique, c'est plus de la vision de jeu. Vous pouvez pas, on va dire que les plays mécaniques sur Nulu sont relativement compliqués, ça reste quand même du Taric-like. On va avoir un flash play, oh très joli flash play de la part de Stéphane Félix. Et le bon grab aussi, parce qu'en gros le grab n'a laissé aucune chance à Wolf. Si Wolf voulait éviter le grab, il devait suicider. Mais du coup il évite le grab mais il meurt quand même. Donc c'est un très très bon move de Stéphane Félix là pour le coup, justement de Thresh là, qui a vraiment fait un gros taf. Le TP et ulti de la part de Fury également, qui est très 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 bien placé de la part du Rumble là. C'est bien joué. Alors on va voir au top, du coup une Irelia. Donc Irelia, bon, clairement meilleur top laner selon moi, très largement de la top lane. En tout cas en 1v1, alors évidemment en teamfight c'est pas mal, mais je trouve que c'est pas. En teamfight, c'est pas forcément, je trouve, le personnage le plus fumé. Mais en dueliste, par contre, clairement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Le stun de 2 secondes qui va foutre la zizanie. En plus, stun de 2 secondes avec 6 secondes de cooldown au minimum, ce qui est vraiment. Ce qui fait chier, quoi. En gros, ça veut dire que t'as que 4 secondes où le mec n'est pas stun. Donc, toutes les 6 secondes, ce qui est quand même pas énorme. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Oulala, 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 oulala. Kalista qui va prendre très cher. Kalista qui va mourir là-dessus. Bien joué. Donc là, elle a aucune chance. Oh, joli flash par contre. Joli flash qui a été prolongé en d'ailleurs. Hein, un flash à longue distance. Il va récupérer le kill. Bien joué. Malgré tout, c'était un bon move de la part de Kalista. On voit d'ailleurs que c'est Deft, hein, si vous avez suivi. Donc l'ancien joueur hein, des SKT qui est passé chez EDG. Donc probablement un des meilleurs AD carry du monde. Si ce n'est en tout cas dans le top 2. Mais pour moi, dans le top 3 AD carry du monde. Voilà, on va pas prendre de risque. Donc vraiment un très 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 bon joueur, même si il n'avait pas forcément gagné dans les Worlds face à son compère. Il est, je pense pas qu'il est beaucoup moins chaud. Après là, vous savez, à LoL on gagne pas forcément tout seul et on ne perd pas non plus forcément tout seul. Un joueur peut faire facilement perdre, un joueur peut facilement faire perdre son équipe, mais un joueur ne peut pas forcément facilement carry son équipe. Enfin, c'est plus facile de throw que de gagner une game, quoi. Ok, l'agression de la part de Annie là-dessus. On a eu un bon move de la part de Annie qui a laissé aucune chance à notre. Oulala, il a pris très cher. Et il va tomber également le fiddle. C'est une catastrophe là-dessus parce que ça récupère des kills sur Katarina, sur Annie. C'est parfait pour leur équipe. On voit qu'on est parti sur un Navisal Scepter côté Faker, ce qui est un très bon choix d'itemisation face à un AP carry.
pour justement baisser sa RM et lui faire très mal. On voit que ça baisse aussi la RM des minions. Et vous pourrez du coup faire plus de dégâts sur les monstres, enfin sur les minions. Donc c'est vraiment très intéressant. Un petit stun qui a été placé bien joué, puisque vous voyez qu'il avait, il avait moins d'HP en pourcentage que son adversaire. Fury qui essaie de prendre un trade relativement correct dans les sbires avec l'ulti sur lui-même, ce qui était honnêtement bien joué. Malheureusement là il manquait un petit peu de dégâts. Et très très propre, là on a vu le 1v1 de Irelia qui est particulièrement solide. Le bon ulti de la part de... Oh c'est très bien fait ça, c'est super bien joué. Il va peut-être mourir. Oh là 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 là, c'est tellement bien fait là pour le coup. Bon, c'est vraiment très propre à ce qu'il va nous faire la Kalista, parce qu'elle a vraiment attendu pour ramener le trash, elle a vraiment attendu la fin. C'est très intéressant, j'aime beaucoup cette mécanique de pouvoir pull son support, du coup le support pour essayer d'en gros de forcer focus sur lui, pour dépressuriser un petit peu son collègue. Et Kalista Blitz, je trouve que c'est vraiment un bon combo, parce que du coup Blitzcrank est tanky par natif, il peut engager, il n'a pas d'escape, mais du coup la Kalista peut lui sauver la vie. Et ça fait du coup un bon combo dévastateur en solo queue, donc moi j'aime bien, voilà. Après c'est voilà, chacun petit personnel et tout. Mais moi j'aime bien. Bon, le Thresh c'est pas mal aussi, parce que du coup le Thresh peut sauver la Kalista peut sauver le Thresh, donc c'est loin de dégueu. Et Stefan Félix est un très bon joueur de Thresh, on l'a commenté relativement souvent. Je pense que si vous regardez beaucoup de mes games coréennes commentées, vous l'avez déjà souvent vu. Attention, la Wolf par contre, ouf, c'est compliqué, hein. Faut faire attention, parce que si on avait T-Burst, là on aurait pu faire la gueule, parce que là le T-Burst aurait été linkable. Le The Killing là qui rate un petit peu des PV. Lucian, très très bon perso, hein, en tout cas, enfin très bonne personne de la laning phase. Je lui préfère un Nucivir en termes d'équipe, mais pour la solo queue, bon, la solo queue, on va dire, c'est souvent joué un peu plus early que la late game. On voit qu'il a maxé sa véracité niveau 3, il n'a que la boule niveau 2, donc il a vraiment pas beaucoup de dégâts, hein, notre collègue Nunu. Il est vraiment là pour tanker et pour attirer les coups sur sa gueule pour que ses potes fassent l'équipe. Mais là, il a vraiment pas de damage, hein. Il a 130 dégâts magiques, c'est vraiment dégueu, hein. Attention, donc Fiddlestick. Toujours dans le top win rate Fiddlestick depuis presque un an et demi, deux ans, donc je pense qu'il ne va pas se faire nerfer. En tout cas, il aurait déjà été nerfé si il... le nerf du fier, c'est pas un nerf du fier. Pour moi, c'est pas un nerf du tout. Au contraire, c'est même plutôt un buff. Parce qu'avant, le fier était random. Maintenant, vous poussez l'adversaire, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix du tout. Donc, pour moi, c'est. Enfin, en tout cas, c'est pas un nerf, quoi, clairement. Ok, en tout cas, pas pour Fiddle. C'est un nerf pour les personnages comme Nocturne, peut-être, mais pas pour Fiddle. Et donc Fiddle, ouais, donc très très bon perso que je vous recommande. Après à bas elo c'est moins bien, c'est plus un personnage de haut elo. Mécaniquement c'est pas ouf, mais c'est extrêmement puissant, beaucoup 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 de dégâts. Oh, le flash T-Burst encore une fois, bon. Alors c'est un peu le problème de Victor, hein. C'est que Victor malheureusement n'a aucune mécanique d'outplay. S'il se fait rusher comme ça, il ne peut rien faire. Et là on voit, pourtant Izzy n'est pas un mauvais joueur, mais là que peut-il faire honnêtement face à un flash stun du Nani? Bah je vous le demande, je pense qu'il peut rien faire, hein. En vrai je pense qu'il peut rien faire. Juste quand il se fait flash stun, bah du coup il se fait go in par Faker et Faker lui met tout. Et juste bah il meurt, quoi, hein. Aussi simplement que ça. Tu sais qu'il est pas vénère, hein, avec sa Annie, hein. Il vient de gagner, je crois, deux flashs, hein, il me semble, hein, pour le collègue Victor. Il doit kiffer sa game. Alors c'est un peu le problème quand t'as un personnage comme Victor, c'est que t'as vraiment aucune escape. On peut voir du coup des Victor jouer Cleanse, donc jouer la purge, qui est honnêtement un bon item, je trouve, contre des Annie, enfin non, un bon sort pardon contre des Annie, etc. Après le problème c'est que la purge c'est moins fort en 1v1 sur la lane, ça enlève l'ignite, mais c'est quand même un peu moins intéressant pour du 1v1, mais pour le mid late game c'est globalement plus intéressant. Ouais, il récolte 0, hein. C'est terrible. Là on voit la pénétration magique, hein, de Faker qui fait le taf, il a probablement 23 de péné, voilà, avec ses bottes et ses runes rouges péné magique. Et il a également l'abyssal qui va réduire de 20 l'ARM en face, et c'est probablement des trous d'amage. Regardez, on voit qu'il a 42, donc 42 moins 20, 22, 22 moins 23, vous êtes à 0. On peut pas aller en négatif par la pénétration, on peut aller en négatif par la réduction. C'est deux choses très différentes. La réduction c'est le debuff de Fiddle, c'est... D'ailleurs attendez, Fiddle est-ce qu'il debuff encore? Alors je sais plus, parce que je crois que Fiddle ça a été modifié, non, je crois que c'est quand il attaque quelqu'un qui débuffe quelqu'un et c'est plus en AOE. Donc qui me semble c'est quand il touche quelqu'un que sa RM est, voilà, que sa RM est réduite. Donc oui, c'est un petit nerf, après c'est un nerf oui et non, parce qu'avant tu pouvais savoir quand il y avait Fiddle autour de toi grâce justement au passif qui se déclenchait à 1000 de range. Maintenant c'est plus possible, donc voilà, il y a des mécaniques un petit peu skillées qui ont disparu. Ok, c'est pas grave en tout cas. Mais voilà, donc des petits trucs un petit peu, des petites tests, des petites techniques qui malheureusement ne marchent plus. Ok, Deft qui du coup récupère pas le blue buff, il le laisse à Nunu. Je pensais qu'il allait le récupérer parce que Nunu n'a pas trop besoin. Oula, énervé là le Deft. Je pense qu'il est énervé. Vous avez vu la claquette de Killing, je pense qu'il voulait son blue buff. Je pense qu'il est, pour le coup, je pense qu'il est déçu. À mon avis, je pense qu'il est déçu. Et donc, dommage pour lui. Son Faker qui va essayer de contester ça, il n'aura pas le bon flay, le bon grab, le très bon grab. Fire qui a pour le coup là-dessus un petit peu grid peut-être. TP de la part du TP qui va être cancel ou pas. Non, il va pas être cancel, ça va être une Irelia qui arrive. Le flash in de la Irelia qui récupère le kill. Le T-Burst
et un T-Burst, deux T-Burst. Et là-dessus, Fegar qui va tomber, il a 2 HP. Irelia, l'ulti de la part de Fiddlestick, très 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 bien joué. Les ricochets qui n'ont pas touché Faker, fort heureusement, ça aurait pu être relativement délicat. Bien joué, malheureusement, le Fiddle était un petit peu trop loin, il manquait un petit peu de range, il aurait pu flash in s'il était un petit peu plus près, mais là c'était, ça valait pas vraiment le coup. Par contre, la Wall, je pense que t'es mort, hein. À mon avis, là tu vas prendre tes riffs. C'est qu'il a pas pris la bite, hein. Il s'est fait déchirer la gueule. Intéressant quand même les deux compositions. Honnêtement, j'aime les deux compositions pour le coup. Je trouve que les deux sont pas mal. On a Nunu qui va être là pour buffer avec le Z, le Lucian, pour avoir le The Killing pour faire très mal et pour avoir plus de hits. On a également un très bon late game aussi côté de l'équipe des Bleus. On a du langage longue distance avec le Rumble Thresh, avec la Kalissa qui peut pousser le Thresh, avec également le Fiddle qui peut contrer une engage. Attention, c'est pas trop mal fait. Alors, on veut tenter un petit move avec le backup de Fury. On tank un petit peu côté de la Kalissa. On va avoir la trinket bleue bien utilisée. L'ulti qui n'est pas up malheureusement. Le 2 de Fury qui n'a pas, enfin de Rumble qui n'a pas touché, qui n'a pas relinké ce Nunu. Après, Nunu quand même est relativement tranquille, hein. Il a pris un bon stuff. Et Tabi Ninja, c'est un excellent item à ne pas sous-estimer. Tabi Ninja, je vous conseille Tabi Ninja en jungle, c'est extrêmement puissant. Sauf qu'on est comme ils sont full AP. Bon, là il y a quand même beaucoup d'AP en face, honnêtement, par rapport à, j'ai envie de dire, d'habitude. Vous aurez en général moins de gens. Oui, mais non. on me dit ce que je lis bien les patch notes, puisque j'ai, mais justement j'ai expliqué à Zenok que le fear maintenant repousse, mais c'est forcément un problème pour c'est pas forcément un problème pour Fiddle, puisque derrière comme il repousse le mec, après il peut reset son combat, parce que une fois qu'il a mis son drain etc, une fois qu'il a plus le mec, une fois que le mec est plus fear, en général tu fear un mec qui est fort, et si le mec est plus fear, il peut en général te défoncer, donc le repousser n'est pas forcément un mauvais, faut juste plus réfléchir quoi. Mais donc non faut pas voir ça genre en mode ah tu le repousses du coup tu peux plus drainer. Le drain maintenant break de plus près, mais bon honnêtement faut quand même être un bon gros chien pour pas pouvoir drainer un gars avec un ulti. Donc non ça va, franchement c'est, je pense pas que ce soit véritablement un problème, loin de là. Sinon maintenant il serait pas dans le top, dans le top 3 win rate depuis presque un an et demi. Ok, donc là bien joué en tout cas, Easy Win qui vient se faire récupérer, c'est bien fait. Attention Félix, non, qui n'a plus d'ultimate, le grab de, enfin le flay de Stéphane Félix qui ne touchera pas. Mais donc rassure-toi, oui je lis bien les patch notes mon ami. Le pire. Ok, attention, voyons voir. Est-ce qu'il peut l'avoir? Oh, pas trop mal fait ça, c'est pas trop mal joué, honnêtement, bon joué, bon grab, bon flay. Non, le grab qui n'aura pas touché, le flay qui était pas mal, mais il manquait le grab, il manquait aussi le backup, parce que le problème c'est qu'en gros, il y avait de l'idée. Mais on n'avait pas. Oh, les corbacks qui vont récupérer le kill. Le fear là-dessus qui ne suffira pas. Le Fiddle qui est vraiment bout de sa vie. Par contre, pour le coup, il est vraiment très squishy. Il a pas de Zonia, il me semble. Oui, donc il a pas encore Zonia. Donc il est bon, il est vraiment dans la merde. Ouh là là, c'est la fin pour toi, Irelia. Coucou. Et on récupère le kill sur la Kalista. De toute façon, qui n'avait pas beaucoup de choix. Je pense qu'elle allait crever de toute façon. Easy Yoon, hein, qui passe une bonne game. Hein. 0-6-0 avec son Victor. Après à sa décharge, là pour le coup il peut plus faire grand chose. C'est le problème des personnages comme ça. C'est moi d'ailleurs, c'est pour ça que je les joue pas en toute honnêteté. Je trouve que c'est personnages qui sont extrêmement vulnérables à la composition en face. En gros, si les mecs en face veulent pas que tu joues, bah tu joues pas en fait. Genre si la Annie te met plein de flash in stun comme ce qui s'est passé là dans cette game, bah du coup tu te retrouves vraiment au bout de ta... Enfin en gros tu te retrouves tellement en retard qu'en gros tu ne sers plus à grand chose. Alors évidemment il fera quand même des dégâts, mais malheureusement pour lui sa game va être plus difficile quoi. On a des bottes de mobilité, il le sait, il va tenter le kill avec l'ignite, il va le graver, non ça ne suffira pas, et du coup Def qui récupère un kill de plus. Du coup move pas forcément worth it, parce qu'en plus il meurt, même s'il avait tué le Lucian, qui en plus a encore son flash, donc il était relativement serein. Je pense pas que ça aurait été vraiment worth it, parce que du coup ça fait un trade kill pour un mec qui a en plus un kill, donc c'est pas fou hein, honnêtement. Waouh. Vous avez vu ou pas? Il est un peu énervé hein, pour le coup, non. D'accord, ok, ils ont surrender. Et bien GG, donc troisième game qui finit en 20 minutes. Et effectivement, bon là après la game, elle était pas 100% perdue, mais elle était quand même bien dans la merde. Ils avaient quand même 90% de chance de perdre la game. 9k gold d'écart en 20 minutes de jeu, c'est relativement difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas attention au snowballing hein, tout simplement. Et là le snowball encore une fois était en marche. Et donc GG well play, l'équipe des rouges qui ont réussi à faire la différence. Les moves de la Annie qui ont pour le coup je pense enterré la game. Easy Wound qui malheureusement n'a pas eu de chance. Il lui a mis vraiment tout dans la gueule hein. J'ai trouvé là pour le coup on a vu vraiment la faiblesse d'un Victor hein. T'as pas d'escape, tu te fais flash stun,
Bah juste tu meurs et tu peux rien faire en fait. On avait dit qu'est-ce qu'il va faire contre Katarina s'il se fait ulti, etc. Bah malheureusement il meurt. Et du coup aucun believe. Non, je pense que c'est pas là, je pense c'est même pas vraiment du believe. Je pense c'est surtout du. Ils se disent bon voilà, pour le coup ils auraient pu jouer 10 minutes de plus, mais je pense qu'il y aurait eu quoi? Il y aurait eu 15. En vrai je pense qu'il y aurait eu 15-35 quoi. Et ils auraient fait Nashor, et avec le Nashor en l'état, là je pense que. En fait le Nashor augmente trop le snowballing en vrai. Hein. Le Nashor, moi je suis complètement contre, c'est vraiment bah, une sacrée aberration, j'ai envie de dire. Puisque là, le Nashor est beaucoup trop. Enfin, en gros, le Nashor augmente tellement le snowballing que quand t'as 10 gavales d'écart, t'es quasiment sûr de perdre. Parce que quand les mecs font Nashor, bah là, t'as définitivement perdu. Donc, et pour le voler, faut avoir la vision. Mais pour la vision, faut être pas trop dans la merde. Donc ouais, c'est vraiment pas facile. Ok. Du coup, pas évident, les gars. GG Wellplayed, honnêtement. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment vraiment apprécié. C'était sympa, c'était sympa. Évidemment, c'était une game extrêmement rapide, extrêmement snowbally, mais on a pu voir les moves. En gros, tout se joue là entre la 8e et la 18e minute. En gros, en 10 minutes de jeu, la game se joue hein, à Oello. Vraiment, c'est dans ce créneau-là où vous allez pouvoir perdre la game en 2 secondes. Hein. Et là, bah, malheureusement, ils ont abandonné. Peut-être auraient-ils dû jouer plus safe. Ils avaient quand même une bonne composition de teamfight défensif. Le problème, c'est qu'en gros, la composition. Enfin, là, Annie Flashton qui a laissé aucune chance à Izzy Hoon. Izzy Hoon était beaucoup trop dans le mal. Et donc, GG Wellplayed, parfait. Le rouge ne te va pas. D'accord, bah merci beaucoup. C'est vrai. Il n'y a pas de problème, mon ami. Aucun souci avec ça. Alors, mon ami, donc, je vous dis tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jiraiya, pardon, en cliquant en haut. Pour d'autres games coréennes, évidemment les games snowball en Corée, c'est normal, c'est le but, bah c'est la direction en tout cas qu'a pris League of Legends ces derniers temps. Même s'ils ont dit qu'ils allaient faire le contraire, je pense que c'est plutôt l'inverse qu'ils ont créé. Évidemment, je pense pas forcément volontairement, mais à mon avis, ils ont créé encore plus de snowballing en nerfant à chaque fois les personnes. En gros, ce n'est pas en nerfant les personnages qui peuvent carry que vous allez réduire le snowballing, parce qu'en gros, quand vous réduisez les personnages qui peuvent carry, du coup, l'équipe qui a de l'avance au gold. Elle a gagné parce qu'en gros les personnages ne peuvent plus faire la différence. Et donc là je pense que le snowballing de LoL, honnêtement je pense qu'il augmente depuis en tout cas presque un an. Le Nashor aussi hein, qui est pour moi bon, bah, moi le Nashor je suis complètement contre. Pour moi c'est une grosse blague. Mais voilà, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais moi le Nashor je suis vraiment très sceptique sur ce Nashor. Là je pense vraiment le changer. Il y a vraiment un souci puisque là bon je pense qu'ils auraient perdu cette game hein, en toute honnêteté. C'est vrai aussi que quand moi je fais des games et que en gros on commence à perdre à ce point-là, je me dis bon ça pue. Moi par contre j'abandonne jamais, mais bon, le problème c'est que bon, t'as pas besoin d'abandonner quand tu te fais défoncer au bout d'un moment, la conclusion est logique. Ok, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jiraiya Scar, Sexy, Facebook, Twitter, deux vidéos qui pourraient fortement vous plaire. Naju Sapé également, Ambron 5, cette game aussi de Rage qui pourrait vous intéresser. Non, pardon, c'est un best-of sympathique qui pourrait vous intéresser. Vous allez voir un petit peu rager. Un Nasus Clarté, donc Clarity, Clarté, donc assez marrant. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette petite session de game coréenne. On a commenté 2 games et demi. D'ailleurs, les 3 games qui se ressemblaient, honnêtement, il s'est passé plus ou moins la même chose. Enfin, en tout cas, une équipe qui prend l'avantage beaucoup et l'autre équipe qui sort under. C'est en même temps logique, hein, les joueurs n'ont pas envie de perdre leur temps. Et donc on est reparti après la pause pour une autre game, enfin pour une troisième game commentée, des mêmes joueurs. Donc on a les mêmes joueurs qui repartent évidemment dans la game et qui retombent évidemment les uns contre les autres, avec quelques joueurs en plus, quelques joueurs en moins. Mais donc on a Deft, on a Ambition, on a Marine, on a Izzy, on a Wolf, on a Faker. Restez connectés, c'est juste après la pause. Abonnez-vous en tout cas à mes deux chaînes YouTube, c'est important. Faites-moi plaisir et allez checker, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tu sors une vidéo tous les 2-3 jours. Non, je sors quasiment une vidéo par jour, mais sur deux chaînes différentes, les potes. Donc allez checker mes deux chaînes, abonnez-vous aux deux chaînes. Plein de bisous, restez connectés, à tout de suite.